Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser ce superbe point perforé avec un motif cœur que je trouve vraiment trop trop beau. Vous allez voir qu'il est très facile à faire ce point et assez rapide. Donc c'est un point que vous allez pouvoir utiliser pour pas mal d'ouvrages, donc des pulls, des écharpes, des plaids, voilà, c'est vraiment un point qui est vraiment adorable. Voilà, donc on va pas trop s'attarder dans le papotage. Moi, pour cet échantillon, j'ai travaillé avec un crochet 2,5. Pour le fil, j'ai utilisé cette gamme, donc c'est de la laine acrylique que vous connaissez déjà très bien et que vous aimez beaucoup et que j'aime beaucoup aussi. C'est ma laine acrylique fétiche que j'adore et que j'aime beaucoup travailler. Donc c'est cette gamme, la Lana Carets. La gamme, vous la retrouvez sur mon site crelia.com. Comme d'habitude, de toute façon, je vous mets tous les liens en description. Donc j'ai choisi de travailler avec la couleur rose. Je vous fais une petite présentation. Ce sont des pelotes de 100 grammes. Pour les 100 grammes, on a un métrage de 380 mètres. Et ce sont donc c'est un fil 100% acrylique certifié Ecotex. Il est conseillé de travailler avec un crochet de 2,5. Moi, habituellement, je travaille beaucoup avec le crochet numéro 3,5 ou 4. Mais là, pour ce point, j'ai bien évidemment choisi de travailler avec le crochet 2,5. Et ça convient parfaitement. Alors, c'est parti. Pour le point, on va avoir besoin d'un multiple de 19 mailles. Donc, vous allez faire un nœud de départ et vous allez monter une chaînette d'un multiple de 19. Là, moi, je vais faire un échantillon. Pour l'échantillon, je vais monter 19 mailles. Une fois que vous avez monté votre chaînette de mailles en l'air d'un nombre multiple de 19, vous allez rajouter 2 mailles en l'air. Vous allez faire un jeté et vous allez piquer votre crochet à la quatrième maille chaînette qui se présente. Donc 1, 2, 3, on pique dans la quatrième et on va faire une bride. Les trois mailles en l'air qui se trouvent ici sur le côté correspondent à une bride. Et là, on a une deuxième bride. Maintenant, on va piquer notre crochet dans toutes les mailles chaînettes qui se présentent et on va travailler en bride. On passe au rang suivant, donc on va monter 3 mailles en l'air, on tourne le travail, les 3 mailles en l'air correspondent à une première bride. Pour débuter le rang, on va avoir besoin de 9 brides. Donc là on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Ensuite, on va faire un point perforé. Donc on va faire une maille en l'air, un jeté. On va passer la prochaine bride qui se présente ici. On va piquer le crochet dans la suivante et on va faire une bride. Et maintenant, pour terminer le rang, on va avoir besoin de 9 brides. Donc 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 et 9. On passe au rang suivant, donc on va monter 3 mailles en l'air, on tourne le travail. Pour le rang suivant, on va avoir besoin, pour débuter le rang, on va avoir besoin de 8 brides. Donc là, les 3 mailles en l'air correspondent à une première bride. On pique le crochet dans la bride suivante. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ensuite, on va faire une maille en l'air. Donc, on va faire un point perforé. On va passer la bride suivante qui se présente ici. On va piquer le crochet dans l'espace qui se trouve ici. Une maille en l'air. On passe la prochaine bride, on pique dans la suivante et on termine le rang avec 8 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et 8. On passe au rang suivant. On monte 3 mailles en l'air, on tourne le travail. Pour débuter le rang, on va avoir besoin de 7 brides. Donc là, avec les 3 mailles en l'air, on a déjà une première bride. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, on va faire un point perforé. Donc, on va faire une maille en l'air. On passe la prochaine bride qui se présente. On travaille une bride. Là, on va travailler 3 brides. Donc 1, 2, 3. Une maille en l'air, on passe à la prochaine bride et on termine le rang avec 7 brides. Donc 1, 2, 3. 4, 5, 6 et 7. On passe au rang suivant, donc on va monter 3 mailles en l'air. Et là, pour débuter le rang, on va avoir besoin de 6 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, on va faire un point perforé, donc une maille en l'air. On saute la prochaine bride. On fait une bride. Et là, on va avoir besoin de travailler 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5.
Ensuite, on va faire un point perforé, on va faire une maille en l'air, on passe la prochaine bride et on termine le rang avec 6 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe au rang suivant, donc on va monter 3 mailles en l'air, on tourne le travail. Pour débuter le rang, on va avoir besoin de 5 brides. Donc les 3 mailles en l'air correspondent à une première bride. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On va faire un point perforé, donc une maille en l'air. On passe la prochaine bride. Là maintenant, on va travailler 7 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une maille en l'air, on passe la prochaine bride et on termine le rang avec 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. On passe au rang suivant, on monte 3 mailles en l'air. Là, pour débuter le rang, on va avoir besoin de 4 brides. Donc là, les 3 mailles en l'air correspondent à une première bride. Donc 1, 2, 3, 4. On va faire un point perforé, donc on va faire une maille en l'air. On passe la prochaine bride. Là, on va travailler 9 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Une maille en l'air, on passe la prochaine bride et on termine avec 4 brides. Donc 1, 2, 3, 4. On passe au rang suivant, on va monter 3 mailles en l'air, on tourne le travail. Pour débuter le rang, on va avoir besoin de 3 brides. Donc 1, 2, 3, une maille en l'air, on passe la prochaine bride, on va travailler 11 brides, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dix, onze. Une maille en l'air. On passe la prochaine bride et on termine le rang avec 3 brides. 1, 2 et 3. On passe au rang suivant, 3 mailles en l'air. On tourne le travail. Pour débuter le rang, on va avoir besoin de 2 brides.
Les trois mailles en l'air correspondent à une première bride. Ensuite, on va faire un point perforé, donc une maille en l'air. On passe la prochaine bride. Là, on va travailler 6 brides, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, une maille en l'air, on passe la prochaine bride, on travaille 6 brides, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, une maille en l'air, on passe la prochaine bride et on termine le rang avec 2 brides. On passe au rang suivant, 3 mailles en l'air. On tourne le travail. On va commencer le rang avec 3 brides. Les 3 mailles en l'air correspondent à une première bride. Donc 1, 2, 3. Une maille en l'air. On passe la prochaine bride. On travaille 3 brides. 1, 2, 3, une maille en l'air, on passe la prochaine bride, on travaille 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air, on passe la prochaine bride, on travaille 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air, on passe la prochaine bride et on termine le rang avec 3 brides. 1, 2 et 3. On passe au rang suivant, 3 mailles en l'air, on tourne le travail. Pour débuter le rang, on va avoir besoin de 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite, on va faire une maille en l'air. On passe la prochaine bride. On va travailler 7 brides. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Une maille en l'air. On passe la prochaine bride. Et on termine le rang avec 5 brides. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Trois mailles en l'air, on tourne le travail et là, pour le tout dernier rang, on va travailler tout en bride. Et voilà, le tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et vous aura inspiré pour vos prochaines créations. N'hésitez pas à me solliciter en commentaire ou sur les réseaux sociaux si vous avez des questions ou besoin d'aide.
En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel.